Pose-toi la question, si tu n'aimes pas Dieu, les raisons, tu les gardes pour toi, ça je m'en fous, mais demande-toi vraiment si tu aimes Dieu. Et si tu ne l'aimes pas, cette vidéo, elle est pour toi. D'accord? Il faut impérativement que tu aies la foi. Hein? Le diable ne se présente pas aux athées. D'accord? Donc ça signifie et ça implique de croire en Dieu, bien évidemment, de croire au jour de la résurrection, évidemment, et de croire en l'enfer et au paradis, bien sûr. Donc, si tu es enclin à faire un trait sur la promesse d'un beau pardon, sur la promesse d'une généreuse récompense, que tu préfères la vie présente, sa parure, si on peut dire, son faux brillant, hein, en comparaison de l'au-delà et ses mesures, mon offre, elle s'adresse à toi. D'accord? Et tu correspondras au profil recherché. Le mépris de Dieu et la croyance, sans le moindre doute, en l'enfer. D'ailleurs, si tu es résolu à l'enfer, ça ne peut que plaider en ta faveur. D'accord? Que tu sois résolu à l'enfer, comment dirais-je, quand tu y songes, pour le peu de fois où tu y penses, mais quand tu as l'enfer à l'esprit, quand tu as le jour du jugement à l'esprit, que tu invoques la destruction sur toi en te disant que de toute façon, tu